Que serez-vous prêt à faire, mes frères et sœurs, pour obtenir les choses les plus belles et précieuses de ce monde? Serez-vous prêt à vendre votre âme au diable? Quoi? Nang's Reborn. Yeah! Bienvenue, mes frères et sœurs. Nous sommes bel et bien sûr Nyans Reborn. Et si vous avez regardé le témoignage puissant précédent, même les deux témoignages puissants précédents, sans doute vous êtes tombé sur cette information qui nous révèle que il y a plein de choses de notre monde qui viennent directement du monde de Satan ou encore du monde des sirènes. Ah! Comment est-ce possible? Dans les deux témoignages précédents, nous avons découvert qu'il y a des personnes, des gens qui ont signé des pactes avec des sirènes, on peut dire avec le diable, rien que pour les choses les plus belles de ce monde. Est-ce que c'est possible? Mais qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un, une personne, à signer un pacte avec le diable à cause d'un objet ou encore un truc pareil? C'est quelque chose vraiment que j'ai du mal à comprendre. J'aimerais découvrir cela avec vous dans cette vidéo. Analyse. Ok. Puisque nous sommes là, ça peut tarder. Regardons la première image. Qu'est-ce que c'est? C'est une très belle voiture. Cette voiture est vraiment belle. Ouais. Que déjà, il y a l'expression jolie. Et c'est une voiture de luxe. Et tout le monde aimerait avoir cette voiture-là. Regardez. Est-ce que c'est pas beau ça? C'est beau. Mais Dieu a dit, n'aime pas le monde. Parce que celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Ah! Est-ce qu'avoir une voiture c'est mauvais? Avoir une voiture c'est, ça n'a rien de mauvais. Mais, faudrait pas que à cause d'une voiture, tu décides de vendre ton âme au diable ou d'adorer Satan. Nous savons dans la parole de Dieu que le Seigneur Jésus-Christ était face au diable. Le diable était venu dans le désert sous forme d'un serpent. Et il lui a dit de se prosterner devant lui. Il lui a demandé de se prosterner devant lui. Et s'il se prosterne devant lui, il lui donnera toutes ces choses que nous sommes en train de voir là maintenant. C'est pas tout. Regardez encore. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est pas joli ça? Est-ce que c'est pas joli ça? C'est plus beau que beau. Regardez vous-même. Waouh! C'est une voiture de luxe. Quand je vois ça, je dis, mais waouh, ils ont bien fabriqué aussi. Oh. Moi-même, je verrais l'acheter. Waouh. Mais est-ce que tu serais prêt à vendre ton âme au diable à cause de ces choses? Si tu es prêt à vendre ton âme au diable à cause de ces choses, je t'en prie, s'il te plaît, ne le fais pas. Ne le fais surtout pas parce que le diable, c'est pas une bonne personne. Et ce n'est pas un hasard. Regardez. Comment elle se sent de cette voiture selon vous? Assurément, elle se dit accomplie. Elle est à l'aise. Et aimeriez-vous être à sa place? Mais bien sûr que oui! Si vous voulez être à sa place, travaillez dur à la sueur de votre front. Et vous pouvez acheter tout ce que vous voulez. Passez par le moyen le plus sûr, le plus simple. Recommandé par Dieu. Et si vous voulez, achetez tout ce que vous voulez. Mais ne faites pas de pâte avec le diable à cause de ces choses-là. Regardez. L'intérieur est joli. Ça vous attire. Oui. On a appris qu'il y a certaines voitures qu'on voit dans la rue qui ne sont pas de vraies voitures. En fait, tu vois ça comme de vraies voitures. Effectivement, ça roule. Mais ce sont des démons qui sont là. Ah! Comment c'est une voiture peut être un démon? En fait, c'est un démon qui est transformé, même des squelettes. Des démons sous forme de squelettes qui sont transformés en voiture. Hein. Il y a même des cercueils qui sont transformés en voiture qui se baladent parmi nous ici. Et personne ne sait que c'est ça. Parce que tout est normal à l'intérieur. Il y a même certaines voitures que des satanistes transportent. Tu vois, je vois une belle voiture, mais à l'intérieur de cette voiture, les satanistes transportent souvent des cadavres. Et pas n'importe quel cadavre, hein, tenez-vous bien. Waouh!
Selon vous, comment se sent-elle dans cette voiture? Elle se sent bien. Quelqu'un va dire qu'elle est bien. Oh, j'aimerais être à sa place. Tu sais comment elle a fait pour avoir cette voiture? Travaillez dur, mes frères et sœurs. Travaillez dur. Et ne cherchez pas à envier qui que ce soit. Tu vas voir quelqu'un dans une belle voiture comme ça. Toi, tu vas dire, hey, j'aimerais avoir ça aussi. Hey, tu sais comment la personne a fait pour avoir sa voiture? Faut travailler dur. Faut travailler dur. Et puis, faut pas chercher à envier quelqu'un. Tu vois quelqu'un avec des voitures de luxe, toutes ces histoires. Tu ne sais même pas comment ça se passe. Toi, si tu commences à envier les gens. Regardez. Un jour, il y a un homme. Sa soeur est venue le voir. Elle a dit qu'elle veut voyager, elle veut connaître la ville. C'est-à-dire la capitale. Et c'est lui qu'elle est venue voir. Et quand elle est venue le voir, il lui a dit, ok, après ceci, j'ai compris. Ce jour-là, vous savez ce qu'il a fait? Il est allé au cimetière, il a déterré un cercueil. Et il a transformé ce cercueil en une belle voiture comme ça. Oui, c'était moi qui s'est tout souligné en ce point, même en ce moment où il vous parle. Regardez, il a transformé cette voiture-là, ce cercueil-là, en une belle voiture. Et ça, c'est parce que c'était une belle voiture. Il y avait même un chauffeur. Et ce chauffeur-là, c'était pas un homme ordinaire, c'était un démon. Et elle est montée dans cette voiture tranquillement, comme si de rien n'était. Mon frère m'a envoyé une voiture. Mon frère, il est joli. Il va me faire visiter la capitale. Elle a même dit à tout le monde qu'elle voyage. Mais regardez, la voiture dans laquelle elle est montée, ce n'était pas une voiture ordinaire. Regardez. Et tout le monde est voyage. Ça, c'est le mode de vie des humains. En fait, dès qu'ils voient les voitures, ils ont une belle voiture, ils sont jolis ce matin, ils se prennent en photo et ils balancent sur les réseaux sociaux. Et regardez à l'arrière. Quand nous on voit ça, qu'est-ce qu'on dit? On dit, wow, nous on aimerait avoir ça, on aimerait faire comme ça. Si tu ne sais pas d'où ça vient, ne pose pas trop de questions. Cherche à ressembler à Dieu et il faut vivre modestement. Regardez ici. Une Lamborghini, c'est une voiture que tout le monde rêve d'avoir, n'est-ce pas? Mais bien sûr que oui. On a appris aussi qu'il y a de belles voitures comme ça qui viennent du monde des ténèbres, et il y a des personnes qui sont transformées en véhicules comme ça. Comment ça se fait même? Moi-même, parfois, il me pose la question de savoir, mais comment ça se fait? Dans les témoins puissants, nous découvrons des choses. Et puis, c'est même pas encore fini. Il y aura même un autre témoin puissant demain. Mais dès que vous voyez une belle voiture comme ça, ne dites pas d'abord que, oh, je veux avoir cette voiture. Tu vas voir même le frère ou bien la soeur, il va commencer à aller prier. Oh Seigneur Jésus, s'il te plaît, donne-moi, permets que j'ai cette voiture. Je possède cette voiture. Je possède cette voiture. Oh, il y a. Ce sont des choses de ce monde. Toi, ton désir doit être porté sur les choses du ciel. La vie après la mort. Mais pas sur les voitures comme ça. À tel point que ça devient une obsession. Jusqu'à ce que tu mets ça en prière. Ah! Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Regardez ce que les humains font. Là, elle est carrément assise sur la voiture. Elle est carrément assise là-dessus comme ça, tranquille, comme si de rien n'était. Mais quelqu'un m'a dit, mais c'est sa voiture, elle fait de ça ce qu'elle veut. En fait, elle se prend aux photos, elle nous montre qu'effectivement elle vit bien. Et est-ce que c'est ça ce que le Seigneur aimerait? Est-ce que c'est cette image là que Dieu aimerait avoir de nous? Ça m'étonnerait. Si tu es un chrétien ou une chrétienne, que tu as le moyen de t'offrir tout ça, que tu as eu la possibilité de les acheter, tout ça, ne cherche même pas à tirer des photos, mais pour mettre sur internet pour montrer à tout le monde que toi tu es joli. Laisse les gens parler de toi. Parce que cette histoire de richesse là, c'est trop problématique. Il y a trop de problèmes. Tu vas voir les gens avec de belles voitures, ils sont riches, tu vois, si tu veux les envier. N'envie personne, contente-toi de ce que tu as, ma soeur. C'est un conseil aussi que nous vous donnons. Contentez-vous de ce que vous avez. C'est important. Ici, on voit un œil caché.
On ne sait pas pourquoi. Posez-vous de vraies questions. Ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas ça. Mais c'est ce qui se trouve derrière. En fait, voici les choses que vous enviez. Voici les choses qui vous attirent. Des choses que vous avez envie d'avoir. Elle a déjà ça. Eux, ils ont déjà ça. Mais mes frères et sœurs, si vous désirez toutes ces histoires, c'est pas mauvais. Mais ne vendez pas votre âme pour ça. Regardez, il y a plein de personnes qui ont leur nom écrit dans le livre du diable. Rien que parce que ces personnes ont fait ça. Elles ont fait ça. Vendre son âme au diable pour toutes ces histoires. Si tu veux travailler dur et avoir ces choses, c'est bien. Mais ne cherche pas du tout à vendre ton âme au diable pour des trucs pareils. C'est ce que nous sommes en train de vous dire. Et il faut vivre modestement, de façon simple. Et puis, même si tu as la moyenne de te foutre, what? Vous avez vu ce que j'ai vu? Mais qu'est-ce que fait avec un serpent? Alors qu'un serpent est censé représenter le diable, n'est-ce pas? Mais bien sûr que oui. Ou bien elle ne le sait pas. Mes frères et sœurs. Si tu ne sais pas, ma soeur, qu'un serpent est censé représenter le diable, et que tu le transportes comme ça sur toi, c'est le moment de te repentir et de revenir sur le bon chemin. Jésus t'attend. Parce que le serpent que tu as attrapé comme ça n'est pas là pour rigoler. Quand vous voyez ça comme ça, c'est comme on va dire que c'est le diable qui est mis en avant. Or, on a l'impression que c'est la même fille qui a en même temps toutes ces histoires, ces voitures de rêve. Est-ce que tu es prêt à voir ton âme au diable pour avoir toutes ces choses? Là maintenant, nous te posons la vraie question. Est-ce que tu es prêt à mettre un serpent sur ton cou pour avoir tout ça? En tout cas, c'est pas tout joli. Vous avez vu comment j'ai réagi? Ça m'a tellement étonné. Faites attention, mes frères et sœurs. Regardez encore ça. Là, on la voit encore dans une de ses voitures. Elle monte des voitures. Elle a plusieurs voitures, on dirait. Hein? Mais oui, regardez. Plusieurs voitures. Wow! Beaucoup de voitures. Toutes sortes de voitures. Et ce sont les choses qui attirent le monde. Si le diable sait que vous êtes attiré par les voitures, les belles choses, il va vous tenter par ça. Si le diable sait que toi, ton rêve, c'est d'avoir une Lamborghini, ou orange, ou bien verte, ou bien je sais pas, marron, ou bien que la couleur de mon nez, ou bien de mon front. Le diable va te tenter avec ça. Si tu sais que mon nez te plaît là, dès que tu arrives sur cette vidéo, pose ton doigt, positionne sur mon nez, tu as pu voir. Fais de même. Fuis le péché. Il ne faudrait pas que le diable vienne te tenter comme le Seigneur Jésus-Christ pour te présenter le monde entier comme ça. Et puis il va te dire, adore-moi, prosterne-toi et adore-moi. Est-ce que vous êtes prêt à vous prosterner devant le diable pour avoir ne serait-ce que ça, cette voiture qui est là? Ah! Hey! Pour faire cette vidéo, on a besoin de quoi? Nous avons besoin d'une caméra. Pour faire le montage de la vidéo, de quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin d'un ordinateur et il faut un ordinateur puissant. On a besoin d'équipement. Oui, si vous avez regardé l'une de nos vidéos précédentes, on en a parlé, nous avons besoin d'équipement. Mais nous travaillons dur. Regardez la sueur de mon front. Nous travaillons dur pour que on puisse avoir tout simplement les moyens de nous offrir tout ce dont on a besoin. Un nouvel ordinateur. Un nouveau portable. Le portable même coûte plus de 1000 euros. Hein. Mais on se dit que Dieu pourvoira. Et Dieu pourvoit aussi. Il est vivant. Quand tu mets ta confiance en Dieu, il ne te laisse pas tomber. Dieu peut donner l'argent à quelqu'un. Dieu peut offrir de l'argent à quelqu'un. Moi, je n'ai pas peur pour ça. Je n'ai pas peur. J'ai confiance en Dieu. C'est dur. Mais il faut travailler dur. Ne laissez pas le diable venir vous offrir ça.
pour en contrepartie de votre âme. Tout sauf ça. Tout sauf ça. Ah, que tu vas voir ça, que vas-tu faire? Mais bien entendu, tu as fait des selfies. Tu as fait ça. Est-ce que c'est ce que Dieu veut pour toi? Mais forcément, tu vas t'exposer comme ça. Tu vas tirer des photos. Tu vas mettre un peu sur les réseaux sociaux. Hé, regardez-moi! Avant, je marchais en sandales. Aujourd'hui, Dieu m'a béni. J'ai une voiture. Regardez-moi. Est-ce que c'est ce que Dieu veut pour nous? Posez-vous des vraies questions. Ah, posons-nous de vraies questions, mes frères et sœurs. Posons-nous de vraies questions. Évitez tout ça. Regardez, c'est ce que tu peux faire. Est-ce qu'elle fait mal? Même moi, à sa place, je tirerais une photo même pour montrer à tout le monde que je suis joli. Mais à quoi ça servirait en clair si Dieu n'approuve pas mes voix? Donc, à cause du respect que j'ai pour Dieu, je serai obligé de m'abstenir. De m'exposer comme ça. Vous voyez? Par exemple, nous sommes en train de vous dire que nous avons besoin d'équipements. Donc, forcément, quand nous allons acheter de nouveaux équipements, nous ferons des vidéos pour vous dire aujourd'hui, nous sommes bons d'acheter un nouvel équipement. Nous allons faire le test. Par exemple, nous parlons d'une caméra de 1000 euros. C'est un portable, c'est un smartphone qui a une bonne caméra qui peut rivaliser même avec la caméra la plus puissante. La caméra, une caméra. Donc, quand nous allons acheter, par la grâce de Dieu, cet appareil, forcément, nous allons faire une vidéo. Et nous allons faire des vidéos comme de ce type aussi. Et nous allons poser la question de voir, mais est-ce que la qualité de la vidéo vous plaît? Tout ce qui nous intéresse, c'est de faire des vidéos extraordinaires. Nous savons qu'il y a des abonnés qui nous suivent, même sur les postes téléviseurs comme ça, les grandes télévisions comme ça. Tu vois, il est seul, mais il a une télévision que 10 milliards de personnes peuvent regarder. Quand un gars a une télé comme ça, là, il faut qu'il soit à l'aise ou bien. Voilà. Il faut qu'il accueille la parole de Dieu dans une atmosphère parfaite. Au lieu de regarder les films pornographiques chez lui à la maison, moi, je préfère ça. Donc, nous voulons tout mettre en œuvre. Tous les clients se veulent tout mettre en œuvre pour que tout soit parfait, propre. Pour le moment, nous nous contentons de ce qu'on a pour vous offrir ce qu'on peut. Mais ne vous inquiétez pas. Dieu pourvoira. Si vous avez les moyens d'aider les gens, faites-le. Faites-le, mes frères et sœurs. Regardez, ça c'est la vie que tout le monde désirait avoir. Regardez, tu voyages en jet privé. Oui, le diable peut offrir tout ça. Je vous le dis, le diable peut offrir toutes ces histoires-là. Si Dieu t'a offert ça, c'est que ce sera d'une grande utilité. Dieu est intelligent. Il sait que tu es seul. Tu as besoin seulement d'une voiture. Sinon, si tu achètes une deuxième voiture, c'est pour une bonne cause, c'est pour une bonne raison. Mais tu n'as pas acheté, toi seul, tu as 10 voitures dans ton jardin ou dans ton garage. Tu fais quoi avec? Qu'est-ce que tu cherches? Oh, il y a les gens qui meurent de faim. Tu peux même prendre de l'argent pour t'occuper d'eux. Quand vous avez de l'argent là, soyez un peu intelligent. Regardez. Que Dieu nous donne son intelligence aujourd'hui là. Regardez. C'est ça la vie que nous recherchons. Une grande maison derrière, j'approuve. Une grande maison, c'est extraordinaire. Une belle voiture à côté, wouh, c'est excellent. Toutes les deux réunies, ça fait quelque chose de beau, n'est-ce pas? N'est-ce pas ce que vous désirez? N'est-ce pas ce que nous désirons? Mais bien sûr que oui! Désire Jésus, cherche Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Un jour, le Seigneur de Christ a rencontré un homme riche. Cet homme riche lui a posé une question. Que dois-je, Seigneur, mon Dieu, que dois-je faire pour mériter le royaume de Dieu, pour entrer dans le royaume des cieux? Dieu lui a dit, vends tout ce que tu as et donne ce que tu vas avoir là aux pauvres. Et suis-moi, tu rentreras au ciel. Il dit, ah, de quoi tu parles? Moi, j'y ai donné mes Lamborghini, ma voiture, ma maison. À qui? Et puis, moi, je vais marcher avec Jean-Lucine ou quoi? C'est ça que ça dit, il est difficile pour un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Il a comparé même cette histoire même à une aiguille. Il est fondé. C'est Jésus-Christ, il est trop fort. Quand vous regardez ce proverbe dans la Bible, vous avez peur.
Mais c'est la vérité. Regardez. Ça fait que les hommes riches, c'est peu d'hommes riches qui entrent au paradis. Vous avez l'histoire de Lazare et de l'homme riche. C'est un peu compliqué, hein? C'est un peu compliqué. Si vous voyez le danger qui se trouve dans cette histoire, il y a beaucoup de personnes qui feront vraiment attention, qui chercheront même à vivre de façon simple. Regardez. Et c'est la classe. Et on s'amuse. Regardez. Oh, mes frères et sœurs. Est-ce que c'est la belle vie? Vous rêvez de ça? Après, des personnes qui sont regardées, elles disent « Ah, Agnès Ribault, tu es jolie! Tu nous montres de belles choses aujourd'hui! » Pas chercher Dieu, hein? Faut chercher de belles choses. Et regardez ce que ça donne. Dieu a demandé aux femmes de ne pas s'habiller en pantalon. On s'est dit « comme des hommes. » Moi, aujourd'hui, on s'est dit que c'est normal. On peut s'habiller comme on veut. On ne respecte plus Dieu. Et ça, ce ne sont pas des choses qui plaisent à Dieu. Même si tu as toutes ces histoires, que tu n'obéis pas à Dieu, c'est dans les problèmes. Parce que le diable, il n'est pas bête. Il attend tous ceux qui désobéissent à Dieu pour les envoyer à l'enfer. Faites attention. Regardez, tu peux avoir de belles voitures sur la terre. Mais s'il te manque Dieu de ta vie, tu n'auras pas la paix. Regardez, toutes ces histoires peuvent vous pousser à vendre votre âme au diable, même à faire des pactes avec des sirènes, avec des démons. S'il vous plaît, abstenez-vous. Abstenez-vous de le faire. Abstenez-vous. Elle est très belle, la fille. Elle est même plus belle que belle. Si elle seulement s'y a rencontré Jésus-Christ, sa beauté serait encore plus belle que ça. Moi, je compte sur toi. Je compte sur toi! Nous ne sommes pas là pour condamner qui que ce soit. Nous sommes en train de vous dire que vous pouvez changer et revenir sur la bonne voie. Si vous ne savez pas que toutes ces choses venaient du diable et que le diable avait même mis sur ces histoires, c'est le moment de vous réveiller et de chercher la voie de Dieu, le chemin de Dieu qui va tout simplement vous sauver. Seul Dieu peut nous aider dans une telle situation. Contentez-vous de ce que vous avez. Cherchez à marcher comme Dieu le veut. Et surtout, n'oubliez pas qu'en dessous de cette vidéo, c'est tout s'abonner. Vous pouvez vous abonner pour nous suivre. Et surtout, marchez, contentez-vous de ce que vous avez et avancez dans la vie de façon simple. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Qui n'aimerait pas être riche ici? Tout le monde. Mais derrière la richesse, derrière toutes ces histoires, se trouve le diable aussi. Ces gens qui sont riches commettent beaucoup de péchés. Si tu n'es pas capable d'éviter le péché étant simple, c'est pas quand tu vas devenir un homme très riche que tu seras capable de le faire. C'est à ce moment-là que tu dois apprendre, au moment où tu es dans une situation simple, à t'abstenir, c'est-à-dire à ne pas tomber dans des pièges bizarres comme le piège du diable. Le diable peut même venir après avoir regardé cette vidéo pour te dire « Ah ma soeur, ah mon frère, tu es jolie. Moi je peux t'offrir quelque chose de bien qui va embellir encore ta beauté. Toutes ces voitures, toutes ces choses qui sont là, je peux te les offrir. » Fais attention. Que sait-il un homme de gagner le monde si perd son âme? Préserve ta vie. Marche dans les difficultés et refuse l'offre du diable. Je compte sur toi. Je compte sur toi! Ainsi, je bénirai Dieu d'avoir fait cette vidéo parce qu'au moins ça a sauvé une âme. Que Dieu bénisse ses frères et sœurs. Prenez soin de vous. Abonnez-vous. Comme nous vous avons dit, en cliquant sur Nyance Rebond en dessous de cette vidéo, vous pouvez avoir accès tout simplement à la page d'accueil. Vous allez voir deux logos. Il s'agit de Nyance Rebond 2, Nyance Rebond 3. Abonnez-vous également sur nos deux autres chaînes et soutenez-nous. C'est extraordinaire. Prenez soin de vous. Jésus revient. Faisons attention. Waouh! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyance Rebond. En dessous de cette vidéo, c'est tous abonnés. Cliquez là-dessus. Abonnez-vous, activez la cloche, ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Et si vous voulez faire le don pour nous soutenir, en dessous de cette vidéo, c'est toutes les informations qu'il vous faut pour faire le don. Vous pouvez faire le don via PayPal ou encore Western Union. Waouh!